Salut en Christ, les sœurs et les frères. J'espère que vous avez pu vivre un excellent moment avec votre groupe de prière lors de la première soirée consacrée à notre nouvelle thématique. Il jugera le monde selon la justice, qui nous fait découvrir ou redécouvrir des textes bibliques apocalyptiques. Cette semaine, nous vous proposons de rester à nouveau dans le Premier Testament, dans un livre bien connu des enfants. Oui, je vous assure. Au dernier camp, à Jeunesse en Mission Champagne, ils en ont de même parlé, le livre de Daniel. Par cette vidéo, je vous propose un plan des plus simples. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques généralités sur le livre de Daniel. Ensuite, nous allons nous focaliser sur le 12e chapitre. Et enfin, je vous suggérerai quelques pistes pour discuter et prier dans vos petits groupes. Le livre raconte des récits et visions autour d'un personnage nommé Daniel, ce qui signifie « Dieu est mon juge ». Le premier chapitre nous raconte qu'il est issu d'une famille noble, qu'il n'a pas de défauts apparents, qu'il est intelligent, qu'il a été déporté avec trois de ses amis à Babylone afin de servir à la cour du roi Nabuchodonosor. Jusqu'au chapitre 6 compris, le récit nous en apprend plus sur le don spirituel reçu par Daniel, celui d'interpréter les songes, les rêves, cette étrange langue très imagée. Cet homme nous rappelle ainsi Joseph, fils de Jacob Israël, dans Genèse 37 et suivant. À travers ce don spirituel, nous prenons conscience que Dieu révèle ses plans, qu'il y a donc besoin dans nos communautés d'individus capables spirituellement de comprendre ces révélations. Il me semble que le don de connaissance et le don d'interprétation de la langue des anges d'1 Corinthiens 12 participent tous deux à ce don de dévoilement des plans de Dieu. À partir du chapitre 7, Daniel n'est plus seulement un interpréteur, je me demande si on dit ça d'ailleurs, mais devient un visionnaire, un prophète donc. Et il reçoit trois visions. Une au chapitre 7 avec quatre animaux représentant quatre rois qui font du mal aux élus de Dieu. Mais le jugement par un vieillard et un fils d'homme approche contre ces empires. La seconde vision est au chapitre 8, avec cette fois seulement deux animaux, qui sont eux aussi des rois et qui seront brisés également. L'ange Gabriel demande cependant à Daniel de garder secret, caché, cette vision et son interprétation, car, dit-il, elle se rapporte au jour, au temps lointain. Enfin, la troisième vision à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin du livre de Daniel. Cette vision est reçue par Daniel près du fleuve mésopotamien, le Tigre, qui est également l'un des quatre bras du fleuve primordial édénique de Genèse 2, 10 et suivant. Cette vision est introduite par une parole « Il y aura un grand combat ». Une parole qui provoque un tel effroi en Daniel et qu'il va vivre trois semaines de deuil et de jeûne. Et finalement, Daniel va vivre cette vision seul. Tous ceux qui l'accompagnaient n'ont pas reçu la vision, mais ils ont pourtant été effrayés, ils ont été pris dans leurs entrailles et ils se sont enfuis. Au cours de cette vision, dans les trois derniers chapitres de Daniel, il va dialoguer avec un homme vêtu de lin et il va être fortifié par quelqu'un qui ressemble au Fils des hommes. Avant de passer à notre focus sur le chapitre 12, je vous donne trois précisions concernant ce livre de Daniel dans vos Bibles. D'abord, il peut se situer à des endroits variés dans votre Premier Testament, après Ézéchiel et avant les petits prophètes, ou alors après Esther et avant Esdras. Pour faire simple, cela dépend si vous disposez d'une Bible catholique ou protestante. Ensuite, le livre de Daniel contient chez les protestants 12 chapitres, d'où le fait que je vous ai dit les trois derniers chapitres, chapitres 10, 11, 12, 12 chapitres dans les Bibles protestantes. Mais attention, chez les Bibles, dans les Bibles catholiques, il y a des ajouts en grec au niveau du chapitre 3, puis après le chapitre 12, donc il y a un 13e et un 14e chapitre qui sont rajoutés. Ce sont des suppléments en grec. Enfin, troisième précision, il est possible que dans vos Bibles, les chapitres 2, verset 4 à 7, verset 28, soit en italique. C'est parce que ce texte-là, cette partie, dans le texte original, dans les manuscrits originaux, elle n'est pas en hébreu, mais en araméen. Voilà, maintenant que ces trois précisions sont données, nous pouvons passer à notre deuxième point, le chapitre 12. Ça y est, nous voilà
à l'annonce des temps finaux. Daniel, dans ce lieu de déportation qui est Babylone, a pu grandir dans sa foi, dans son espérance, et il a fait connaître à ce peuple étranger et idolâtre la puissance du Dieu unique, qui est le Dieu révélé d'abord au peuple juif. Celui qui parle au début est l'homme habillé de lin, lui qui se tient au-dessus du fleuve. Au premier verset du chapitre 12, il insiste sur le moment à venir en utilisant quatre fois le même terme hébreu « hate » qu'on peut traduire par « à ce moment-là, en ce temps-là, à cette saison-là ». Il dévoile à Daniel le jugement dernier avec le réveil de tous les endormis, c'est-à-dire de tous les morts. Certains pour la vie en pérennité, d'autres pour les outrages et l'aversion en pérennité. Deux individus apparaissent ensuite de chaque côté du fleuve et Daniel et eux vont interroger l'homme vêtu de lin, ceint d'or, au visage brillant, aux yeux flamboyants, aux pieds et aux mains cuivrées, à la voix rugissante. Ils vont lui demander quand cette fin des temps arrivera-t-elle et quelle en sera l'issue. L'homme répondra d'une part qu'il est nécessaire que le peuple soit totalement épuisé, vidé de sa force, et d'autre part que nombreux seront purifiés, rendus sages. Ils comprendront, mais que les méchants, eux, ne comprendront rien. Le livre de Daniel se termine par une phrase qui peut paraître énigmatique et renvoie à la profondeur de sa foi, de son espérance. « Marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras, c'est-à-dire tu mourras. Tu seras relevé, c'est-à-dire tu ressusciteras. Tu recevras ta part. » Et c'est cette part-là, non communiquée, cachée, qui est le sceau de foi et du témoignage rendu à la profondeur de celle-ci. Pour conclure notre introduction à cet apocalypse de Daniel, je vous propose trois pistes pour réfléchir dans vos groupes de prière. Premièrement, l'individu principal de qui l'on raconte le récit est Daniel. Nous avons entendu que son nom signifie « Dieu est mon juge ». Il porte donc dans son identité juive une affirmation de foi et donc son espérance profonde. Pour aujourd'hui et pour demain et après-demain. En arrivant à Babylone, des anonymes lui imposent un nom nouveau, non plus en hébreu mais en acadien, Belteshazzar, qui signifierait « protège la vie du roi ». Je me demande ce que signifie votre propre prénom, ce qu'il porte comme promesse. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cela ? Est-ce alors que dans le monde, j'entends souvent des gens me dire « Ah, un tel se nomme comme ci, un tel se nomme comme ça, alors il a un caractère comme ci ou il a un caractère comme ça ?» Je me demande si vous avez eu également ce type de remarques sur les autres et comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui. Deuxième piste de réflexion. Daniel est reconnu pour son intelligence et il est emmené hors de sa zone de confort et il est déporté à cause de cette intelligence et à cause de son statut. C'est donc d'autres qui vont l'appeler, qui vont le former et qui ensuite vont se laisser interpeller par lui. Je me demande quelles sont vos propres Babylones. Alors je ne parle pas uniquement de vos villes, mais de votre environnement général. Là où vous êtes aujourd'hui, parce que d'autres ont eu besoin de vous, qui sont venus vous chercher. Comment vivez-vous dans ces environnements? Comment témoignez-vous de la seigneurie de Dieu, du fait que Dieu soit le maître de votre vie dans ces environnements? Troisièmement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nos contemporains sont terriblement angoissés. Comme les proches de Daniel du chapitre 10 fuient lorsqu'ils ressentent la présence de Dieu, beaucoup de nos contemporains s'enfuient lorsque vont briller un moment de jugement. Comment pouvez-vous porter les paroles de paix et de confiance que l'on trouve en Daniel 10, verset 12 et 10, verset 18 à 20, et 12, verset 12 à 13. Je vous souhaite de bons temps de partage. Puisse la conviction que Dieu s'occupera lui-même de juger le monde vous apaise et qu'il vous fasse vivre la bonne nouvelle autour de vous. Que le Christ, l'homme qui touche les lèvres et les cœurs, se place à vos côtés. Et je remercie particulièrement mes deux techniciens que vous ne voyez pas à la caméra, que sont mes enfants, Naoum et Esther,
qui m'ont aidé à la fois avec le prompteur et avec la caméra. Voilà. À bientôt. Soyez bénis.